السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحياكم الله جميعا en cette soirée du 36e cours du livre de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى عقيدة التوحيد عقيدة التوحيد. حياكم الله en cette soirée du samedi 7 Rabi al-Thani 1435 de l'Hégire, correspondant au 8 février 2014, bi'il subhanahu wa ta'ala. Si vous vous souvenez, le grand titre par lequel on avait commencé la fois passée, c'était concernant le fait de jurer par la sollicitation, implorer le secours et demander l'aide d'une créature. Et ça a besoin d'au moins d'un cours. Le premier cours, si vous vous souvenez, c'était petit a. Jurer par autre qu'Allah. Confirme que vous m'entendez pas bien. Le grand titre de la fois passée, c'était le jugement concernant le fait de jurer par autre qu'Allah. La sollicitation, implorer du secours et demander l'aide d'une créature. C'était le premier cours. Le premier cours, c'était le fait de jurer par autre qu'Allah Azzawajal. Aujourd'hui, c'est le deuxième cours. C'est B. Le jugement concernant le fait de solliciter Allah Azzawajal par la médiation d'une créature. C'est très important. C'est un cours très important. Ensuite viendra le C. C'est implorer le secours et demander de l'aide d'une créature. Al-Yom, Inch'Allah Ta'ala, grand B, le jugement concernant le fait de solliciter, d'invoquer Allah Azza wa Jal par la médiation d'une créature. Par la médiation d'une créature. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, a dit la sollicitation, c'est-à-dire Tawassul, et le fait de chercher à se reprocher, à se rapprocher de quelque chose et d'y arriver. La sollicitation, qui s'appelle Tawassul, c'est le fait de chercher, de se rapprocher de quelque chose et d'y arriver. Et Al-Wasila, c'est le rapprochement. Donc il y a le Tawassul et Al-Wasila. Le Tawassul, c'est la sollicitation. C'est le fait de vouloir se rapprocher de quelque chose et d'y arriver, bien sûr. C'est le tawassul. Et l'wasila, c'est le rapprochement lui-même. Il a cité le verset qui prouve cela, où Allah Ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaru ilayhi alwasila. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaru ilayhi alwasila. » 5.35. Ô les croyants, craignez Allah Azza wa Jal et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc, la sollicitation est quoi? Est quelque chose de shar'i. Tawassul. C'est quelque chose de shar'i. La preuve, ça a été cité dans ce verset. Il a dit, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc, Allah Ta'ala t'a autorisé et même t'a recommandé de chercher les moyens pour te rapprocher de lui. Bi'idhnillahi Ta'ala. Cheikh dit, c'est-à-dire se rapprocher de lui par l'obéissance et la recherche de son agrément.
c'est-à-dire se rapprocher ou la s'approcher de lui à recherche de son agrément. Car on ne peut pas se rapprocher de lui en faisant du haram, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas se rapprocher de lui en inventant des choses. On se rapproche de lui en quoi? En suivant sa charia. On se rapproche de lui en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que toute personne qui veut rentrer en islam doit dire deux phrases. J'atteste qu'Allah azzawajal est le seul digne d'être adoré. Mais ça suffit pas. Pourquoi? Allah Ta'ala a dit, oh les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Riyad, je ne peux pas changer de... de Rome parce que j'ai un programme qui s'appelle Mana. Parle avec Allah Ta'ala pour nous donner l'autorisation. Femme. Tayyib. Donc Allah Ta'ala nous a cherché le moyen de nous rapprocher de lui. Et la wasila, la sollicitation, est de deux catégories. La sollicitation est de deux catégories. Il y a la sollicitation autorisée, wasila, autorisée. Tawassul autorisé. Et sollicitation interdite. Il y a l'autorisé. Allahu Akbar. Taïb. Je continue, inshallah ta'ala. Donc j'avais dit, voici la tawassul, c'est de deux catégories. La sollicitation autorisée et la sollicitation interdite. La première, c'est-à-dire la sollicitation autorisée, hein, elle comporte plusieurs sortes. Elle comporte plusieurs sortes. La sollicitation autorisée, elle est de six sortes. Donc il faudrait bien, si c'est possible, de les noter. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. De toute façon, à la fin du cours, il y aura un résumé. Inch'Allah ta'ala. La première, on va commencer par la première. Il s'agit de solliciter Allah Azzawajal par ses noms et ses attributs. La première permise, c'est. Quand on sollicite Allah Azzawajal par ses noms et ses attributs, tels qu'il l'a commandé lorsqu'il a dit Azzawajal dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 780. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, la meilleure et l'une des meilleures sollicitations d'Allah Azzawajal, c'est de le solliciter par ses plus beaux noms. Il a dit, invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Tu dis par exemple, Ya Ghafour, as'aluka an taghfirali. Ya Rahim, as'aluka an tarhamani. Ya Qawi, as'aluka an tansurani. Et comme ça. C'est-à-dire, ya, ô miséricordieux, englobe-moi de ta miséricorde. Ô ya. Ah oui, non, le fort. Donc, aide-moi, yani, dans ma faiblesse, et comme ça. La deuxième, ça c'est la première. La première, invoquer Allah Azzawajal par ses noms et ses attributs. La deuxième, solliciter Allah Azzawajal par la piété et les bonnes actions faites par celui qui sollicite. Je sollicite Allah Azzawajal, c'est-à-dire je prends comme wasila et tawassul, je prends comme moyen, je demande à Allah Azzawajal des choses par le biais de ma piété. Et le dalil, c'est quoi? Le verset qui vient. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 393. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyons en votre Seigneur. Et dès lors, nous l'avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface de nous nos méfaits.
et placera notre mort, c'est-à-dire après notre mort, avec les gens de bien. C'est quoi ici le témoin? Ces gens-là qui disent Seigneur, Seigneur, ils sont en train de faire des doigts. Par le biais de quoi? Ils ont pris quoi? Ils ont sollicité Allah Ta'ala par quoi? On a dit par la piété et les bonnes actions. Où est la piété ici et les bonnes actions? Naam, ils ont fait des doigts avec leur foi. Et la foi, c'est la piété. Écoutez ce qu'ils ont dit. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, et il a dit, croyons votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pourquoi ils ont dit nos péchés? Avant cela, ils ont dit, dès lors, nous avons cru. Donc, on te demandait à Allah, par le biais de notre croyance, de nous pardonner nos péchés. Vous avez compris? Ils ont dit, nous avons cru. Et après ça, ils ont dit nos péchés. Ça veut dire qu'ils ont demandé à Allah Ta'ala, yani, ils l'ont sollicité en citant la piété ou bien les bonnes œuvres. La piété ici, c'est quoi? C'est la croyance. Ils ont dit, nous avons cru. Nous avons cru à celui qui a appelé et qui a dit, croyons votre Seigneur. Alors, ya Allah, pardonne-nous nos péchés et efface nos méfaits, etc. Tayyib. La troisième. Bien sûr, on parle toujours des sollicitations qui sont permises. La troisième, solliciter Allah Azzawajal par son unicité. Par son unicité. Afouan, avant cela, afouan. J'ai sauté une chose, j'ai sauté une chose importante. Non. Donc avant de passer à la troisième, on reprend la deuxième, une seconde. On reprend la deuxième, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est quoi? C'est. Astana, tu vois la deuxième. C'est pas ça. La deuxième. Non. Donc la deuxième, sollicite Allah Azza wa Jalla par la piété et les bonnes actions faites par celui qui sollicite. On sollicite Allah Azza wa Jalla par la piété et les bonnes actions faites par celui qui sollicite. Ensuite, on a cité le verset, ce verset. Au Seigneur, nous avons cru, etc. Ici, ils ont par la piété, ça. Qui est la croyance. Ils ont dit, nous avons cru, et à Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ça. Et nous, on a dit, on sollicite là, par la piété et les bonnes actions. Maintenant, j'avais oublié de donner un exemple où on sollicite Allah Ta'ala par les bonnes actions. Le Cheikh a dit, Hafidhahullah Ta'ala, le hadith relatant l'histoire de trois personnes qui sont entrées dans une grotte, puis un rocher est tombé en bloquant la sortie, les empêchant ainsi de sortir. Alors ils se sont mis à solliciter Allah Azzawajal par leurs bonnes actions. Puis Allah Ta'ala leur a accordé son aide et ils en sont sortis en marchant. Hadith rapporté par Muslim. Vous vous souvenez que trois personnes sont rentrées dans une grotte parce qu'il y avait la pluie, il faisait nuit, ils sont rentrés pour se cacher et un rocher est tombé et leur a bouché la sortie. Alors ils ont dit, maintenant on va demander Allah subhanahu wa ta'ala par nos bonnes œuvres. On va le solliciter par nos bonnes œuvres. Et les trois ont cité leurs œuvres. Les trois ont cité leurs œuvres. L'un des trois, je vais les citer comme ça, juste pour rappel, et peut-être ce n'est pas disposé comme dans le hadith, mais je les cite comme ça. Le premier, où l'un des trois a dit, il a cité comme bonne œuvre qu'il avait des parents. Il avait des parents auxquels il. Et qu'il a dit à Allah, une fois, je me suis rapproché d'eux pour leur donner. Il a dit, car je ne buvais jamais yani, le lait avant eux. Il a dit, une fois, je me suis rapproché d'eux pour leur donner le lait à boire, je les ai trouvés en train de dormir. Ya Allah, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'ils se soient réveillés. Et mes enfants, autour de moi, en train de pleurer. Yani, voulant le lait. Et je n'aurais pas donné le lait. J'ai attendu mes parents jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Ya Allah, si ce que j'ai fait, ça, ce que je viens de citer ici, le lait, etc. Si pour toi et pour ton visage, fais-nous aujourd'hui une solution. Et Allah Ta'ala a écarté un peu le rocher. Et le deuxième a dit, ya Allah, vous savez que, ou là tu sais, ya Allah, que j'avais une cousine que j'aimais beaucoup et je lui ai demandé de faire le haram et elle n'a pas accepté. J'ai attendu une fois qu'elle était dans une grande difficulté, une nécessité,
Et elle est venue me demander de l'argent. Je lui ai dit, je ne te donne de l'argent que si tu me laisses faire le haram. Elle a dit, elle a accepté à contre-cœur. Et je lui ai dit, 1000 dinars, 1000 dinars. Non, il a dit, quand c'était le moment de faire le haram, l'action, c'est-à-dire, elle m'a dit, taqillah. Et yani, la tafoul, l'amr illa, l'khatim illa bihaqihi. Elle a dit, et yani, ne fait la chose que yani, religieusement, que dans la permission, c'est-à-dire halal, dans le zawaj, c'est-à-dire ne fait pas la zina. Il a dit, j'ai eu peur. Et elle a, quand elle a dit comme ça, elle a dit, elle m'a dit, taqillah, j'ai eu peur. Il y a Allah, et j'ai délaissé, yani, je me suis levé, je me suis éloigné d'elle, et je lui ai délaissé l'argent, les 1000 dinars. Ya Allah, si j'ai fait ça, fi sabilillah, pour ton visage, fais-nous aujourd'hui une solution. Et Allah Ta'ala a écrit de nouveau le rocher, mais au point il pouvait voir ce qui se passait dehors, mais ne pouvait pas sortir. Et le troisième a dit, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais citer comme bonnes actions? Il a dit, ya Allah, tu sais qu'une fois, j'avais embauché quelqu'un pour travailler chez moi, comme quoi je lui donnais par exemple un sac de riz. Quand il termine le travail, il a terminé le travail, je lui ai donné le sac, il m'a dit non, ça c'est peu. Et il est à... et il l'a laissé. Il l'a laissé. Il a dit, Allah, ce sac de riz, je l'ai semé, ensuite ça a donné beaucoup plus. Ensuite, j'ai vendu tout ce que ça a donné, je lui ai acheté des vaches avec, les vaches ont donné des bébés, ensuite j'ai acheté des... Des brebis, elles ont donné des bébés, j'ai acheté ceci, cela, Al-Muhim. Ça a fait yani, un grand range, un grand range. Et une fois, il est revenu. Il m'a dit, donne-moi mon sac de riz, ou alors ce que tu me dois. Je lui ai dit, tu vois tout ce qu'il y a là-bas en face de toi, t'appartient. Il a dit, tu te moques de moi? Je lui ai dit, non, je me moque pas de toi. Tout ça t'appartient. Parce que yani, je l'ai fait marcher, ça a donné tout ça. Il a dit, il a tout pris. Il ne m'a rien laissé. Ya Allah, si ce que j'ai fait, c'était pour ton visage, fais-nous une solution. Et Allah Ta'ala a ordonné aux rochers de se déplacer carrément. Et ils sont sortis en marchant et sont allés chacun vers sa famille. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ces trois? Chacun d'eux a quoi? Chacun d'eux a cité une bonne action qu'il avait faite. Et Allah Ta'ala lui a fait une solution. Pourquoi le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, il dit, connais Allah dans l'aisance, dans la difficulté. Quand tu es dans l'aisance, maintenant, tu es mashallah, il n'y a pas de problème. Maintenant, fais des choses fi sabilillah. Et demain, tu tombes dans un problème et la difficulté, alhamdoulilah, tu as cet avantage de quoi? De demander Allah Azzawajal par une chose que tu as faite, fi sabilillah. Et ça ne rentre pas dans le rappel. Elle mène. Tu dis, je suis en train de faire le rappel à Allah, je lui ai dit, moi j'ai fait ceci, cela. Non. C'est lui qui t'a demandé de faire cela, et il t'a dit, emploie ce moyen, je l'accepte de toi. Et ça nous rappelle quoi aussi? L'avantage et le grand avantage de quoi? De la bonne compagnie. Et comment qu'il faut s'éloigner au maximum de la mauvaise compagnie. Pourquoi? On le prend de cette histoire des trois personnes qui étaient dans la grotte. Car, s'il y avait par exemple une seule personne qui était pieuse, et les deux autres étaient des soûlards et des fornicateurs, comment qu'ils auraient fait? Le premier aurait dit à Allah, tu sais que j'ai des parents auxquels j'obéis, etc., 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 et voilà, etc. Et deux, il ne peut pas faire doigt tout le temps avec l'alcool. Et troisième, il ne peut pas faire doigt. Dis-moi, je suis un fornicateur, quel doigt je vais faire? Il serait resté quoi? Dans la grotte. Mais comme les trois, ils étaient, mashallah, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une solution. Regardez l'avantage de fréquenter des gens que, mashallah, et qui s'éloigne des péchés. Taïb, je reviens jeudi. Ça, c'était la deuxième sorte. Maintenant, on passe à la troisième sorte. Le fait de solliciter Allah Azza wa Jal par son unicité, le tawhid. Par son unicité et le tawhid. Allah Ta'ala dit, وَذَنُّونَ
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. 21-87. Et dont Noun, c'est-à-dire Younes alayhi salam, qu'ils appellent Jonas, quand il partit, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part à toi, pureté à toi. Naam. Donc ici, Younes alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une doua, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pas de divinité. Naam. Pureté à toi. La ilaha illa ant. C'est le tawhid. Pureté à toi. Subhanallah. Subhanak. Ensuite, tu demandes une chose. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la troisième sorte qui est permise. Maintenant, la quatrième. Bi'idhnillahi ta'ala. Solliciter Allah Azza wa Jal en manifestant son état de faiblesse, de nécessité et de pauvreté envers lui. Solliciter Allah Azza wa Jal en lui montrant ton état de faiblesse, de nécessité, que tu as vraiment besoin de lui, et de pauvreté, que sans lui tu es pauvre, tu ne vaux rien. Naam. Le dit. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني أرحم الراحمين. Et Ayyub, Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Non. Le mal m'a touché. Ya Allah, le mal m'a touché. Je montre que je suis touché, je suis pauvre, je suis faible. Non. Par contre, toi, ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ensuite, ce qui me plaît ici, si vous l'avez remarqué, Ayyub alayhi salam, quand il a dit le mal m'a touché, le mal m'a touché. Premièrement, il n'a pas dit à Allah, tu m'as touché par le mal. Même si c'est Allah qui te l'a donné. Mais par politesse, le mal m'a touché. C'est comme si Yannick. Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ya Allah, le mal m'a touché. Mais je ne t'accuse pas d'être quelqu'un qui fait le mal, qui aime le mal pour ses créatures, quelqu'un qui se venge. Quelqu'un, non, ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça veut dire, là, le mal m'a touché, mais ce mal, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Je sais qu'il contient et comprend beaucoup de choses qui sont bien. Entre autres, il annule mes péchés. Si je patiente, même si, le fait déjà d'être touché par le mal, ça annule les péchés. Si maintenant je patiente, ça va me donner encore des récompenses et des rétributions. Ya Allah, malgré le mal qui m'a touché, j'atteste que depuis mes yeux des miséricordieux. Nous, si un mal nous touche, que disent la plupart de nous? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh Allah Ta'ala, Zahma, c'est le miséricordieux, il m'a touché. Il m'a fait un mal. Oh, pourquoi? Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas donné le mal à mon voisin qui du matin au soir n'arrête pas de boire l'alcool et fumer la drogue? Moi, je prie tout le temps, il m'a donné le mal. Subhanallah al-Azim. Comme disait quelqu'un, A'udhu Billah, qui s'appelle Jahm ibn Safwan, A'udhu Billah, la tête des bid'a et des mubtadi'a. Il sortait comme ça, et allait dans les endroits où il y avait ceux qui étaient atteints de. Comment ça s'appelle, avec la maladie de lèpre. La lèpre. Tu as la chair qui tombe, A'udhu Billah. La chair qui tombe, yani, de la personne. Il allait spécialement dans ces endroits où il y avait des gens malades comme ça. C'est comme si on veut dire aujourd'hui, il va dans un hôpital où il y a des cancéreux, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez ce qu'a fait Arhamarmin. Regardez ce qu'a fait le plus miséricordieux des miséricordieux. Naam. Regardez ce qu'a fait le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une sorte de. Astaghfirullah, peut-être une sorte de moquerie. Hein? Vous dites que c'est le plus miséricordieux. Comment se fait-il qu'il donne à des gens des maladies pareilles? Comme ça, il a dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de la fausse aqida et de la mauvaise aqida. Naam. Donc maintenant, on a dit quoi?
c'est le fait, yani, de montrer sa pauvreté quand on fait les doigts. Et aussi, si vous vous rappelez, ce qu'a dit Moussa alayhi salam, avec son histoire avec les deux sœurs, quand il les a abreuvées, n'a aidé à s'abreuver, lorsque Allah Ta'ala a dit, Salahuma, ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 28-24. Il abreuva les bêtes des deux sœurs pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre de moi. Rabbi, inni lima anza ilia min khairin faqir. Ya Allah, j'ai grand besoin du bien que si tu me fais descendre, yani un bien, tu me fais descendre quelque chose sur moi, j'en ai vraiment grand besoin, ya Allah. Ya Allah, aidez-moi. Regardez, j'ai grand besoin du bien. C'est pas mutakabbir. Ouf. S'il me donne du bien, il me donne. S'il ne me donne pas, il est libre, Allah Ta'ala. Il fait comme il veut. Ah bon? Ça veut dire que tu n'as pas besoin. Donc tu ne tiens pas, toi, à ce qu'il descende du bien. S'il descend, alhamdoulilah, s'il descend. Non, c'est pas comme ça. Allah Ta'ala, tu dois l'implorer. Même si tu es le plus riche du monde. Non, tu dois l'implorer et montrer que tu es pauvre. Et tu as grand besoin du bien. Tu as grand besoin, non, c'est une nécessité pour toi. Conclusion, c'est bien de montrer sa faiblesse et sa nécessité quand on fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cinq sortes de sollicitations qui sont permises. La cinquième, solliciter Allah azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuses et vivantes. Je sollicite Allah azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuse et vivante. Pieuse et vivante. Cher dit, elle consiste, cette sollicitation consiste à solliciter Allah Azzawajal par l'invocation faite par des gens pieuses et vivantes. Attention, pas mortes, vivantes. À l'image des compagnons qui ont demandé ou là, qui demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier Allah pour eux. Et lorsqu'ils étaient ravagés par la sécheresse, lorsqu'ils étaient ravagés par la sécheresse, comme celui qui est monté, qui est rentré une fois dans la mosquée, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mimbar en train de faire la prière, la khutbah du Jumu'ah. Il l'a arrêté en pleine prière. Il lui a dit, Ya Rasulallah, nous avons vraiment besoin d'eau, dans la sécheresse. Mourir, les enfants n'ont rien à boire, et comme ça. En plein quoi? En plein khutbah. Donc, ils ont demandé, Naam, que le prophète Hassan, yani, prie pour eux et fasse des doigts. Ça, c'est vivant. Et après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient à son oncle l'Abbès et lui demandaient qu'il invoque Allah Ta'ala pour eux, pour que la pluie tombe, rapporté par Bukhari rahimahullah. Naam. Il y a un hadith très connu, mais beaucoup ne savent pas qu'il est faible. Comme quoi, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu allait faire Umrah, et le prophète Hassan lui a dit, Ya Omar, ne n'oublie pas. Ne m'oublie pas dans tes doigts. Ne nous oublie pas de tes doigts. Ça, c'est un hadith faible, malgré qu'il est très connu, très propagé parmi les gens. La sixième d'invocation qui est valable. Il y a quelque chose ici dans la cinquième. Solliciter Allah Azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuses et vivantes. Je dis. De préférence, le croyant ne doit pas s'habituer à demander aux gens de lui faire des doigts. D'abord, comme je l'ai dit, il faut que les personnes soient vivantes. Si quelqu'un va demander à un mort de lui faire des doigts, c'est le grand shirk, il sort de l'islam. Mais si la personne est vivante, il a dit ici, deuxième condition, pieuse. Une personne pieuse, tu lui dis, fais-nous doigts, ceci, cela. Les savants ont dit, de préférence, on laisse ça, yani,
à la dernière, dernier recours. Sinon, tu vas t'habituer à demander comme ça aux gens. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu ne vas plus demander à Allah. Tu dis à des gens qui vont demander à ma place. Donc, ça, c'est pas bien. Allah Ta'ala veut que ce soit toi qui demandes. Et la deuxième, tu peux mettre les gens dans l'embarras. À chaque fois, fais-moi des doigts, fais-moi des doigts. Non. Et la troisième, tu peux indirectement faire croire à la personne à laquelle tu as demandé qu'elle a un haut statut. Non. Des fois, c'est une personne simple, mais tu lui fais croire qu'elle est vraiment, mashallah, la preuve, tu lui demandes de me faire des doigts. Non. C'est pour cela que la personne, quand on lui demande comme ça, c'est un dernier recours. Ou bien, si c'était le prophète Hassan qui était vivant, ça, il n'y a pas de problème. Ou alors, son oncle, quand le prophète Hassan est mort, non, ils ont dit, il n'y a pas comme son oncle, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, la sixième sorte est la dernière. Solliciter Allah Azzawajal en avouant son péché. Solliciter Allah Azzawajal en avouant son péché. Regardez ce qu'a dit Adam et Hawa après avoir mangé de l'arbre. Khala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. 7, 23. Tous deux dirent, Hawa et Adam, avec Adam, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Ils ont reconnu leur péché. Naam, tu reconnais ton péché, Allah. Je reconnais avoir péché aujourd'hui. Je reconnais m'être trompé la semaine passée en disant cette chose ou en faisant cette chose. Et si vraiment tu ne me pardonnes pas, ya Allah, et tu ne m'englobes pas dans ta miséricorde, je serai très certainement du nombre des perdants. Naam, tu montres que vraiment tu es faible et que tu reconnais avoir fait la faute. Et ça c'est Adam et Hawa. Et après eux, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu al-ghafurur rahim. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Moussa alayhi salam, quand il a tué l'enfant d'Israël, sans le vouloir, il ne l'a pas tué exprès, sans le vouloir. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. Non. Je me suis fait du tort à moi-même avant de faire du tort à l'autre que j'ai tué. Parce que c'est moi qui vais payer. Parce que là, s'il est mort, peut-être à cause de moi, peut-être qu'il va aller au paradis. Si c'est un croyant, il a été tué, mesquine, madloum. Non. Mais le problème, c'est moi. Je me suis fait du tort à moi-même. Tout cela, c'était quoi? La sollicitation tawassul qui est permis. Passons à la deuxième catégorie qui n'est pas permis, bi-idhnillahi ta'ala. Donc je répète, la sollicitation est de deux catégories. La sollicitation autorisée et la sollicitation interdite. Non. A. On a vu la sollicitation autorisée de six sortes. B. La sollicitation interdite, et elle est de quatre sortes. Le fait de solliciter des morts. Le fait de solliciter des morts. Cheikh dit, Hafidhahullah Ta'ala, il s'agit de la sollicitation en dehors des sortes citées ci-dessus. Il s'agit par exemple pour cette deuxième, nam, de solliciter, nam, des morts, ou alors d'implorer par le statut du prophète, ou alors, al-Muhim, premièrement, il n'est pas permis de solliciter l'invocation des morts. Le défunt, n'est pas capable d'invoquer comme il l'était de son vivant. Le défunt, premièrement, il ne t'entend pas. Ah, et premièrement, il ne s'entend pas. Et deuxièmement, s'il t'entendait, on va supposer que le mort qui est dans la tombe m'entend. On va supposer. Il est mort celui-là, il n'est pas vivant. Il est mort. Cheikh dit, il n'est également pas permis de solliciter
l'intercession des morts. Des morts. Du fait que Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, et Muawiyah ibn Abi Sufyan, notre oncle, radiyallahu ta'ala anhu, et ceux qui étaient en leur présence parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis, dans un bon comportement, ont demandé la pluie lorsqu'ils ont été atteints par la sécheresse, en sollicitant la médiation et l'intercession de ceux qui étaient encore en vie, tels que l'Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, et Yazid ibn Aswad, radiyallahu ta'ala anhu. Ceux-là, écoutez bien, ont demandé la médiation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son intercession, ni auprès de sa tombe, ni ailleurs. Mais ils se tournèrent plutôt vers ceux qui le remplacèrent, comme l'Abbas et Yazid, radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça que Omar a dit: Ô Allah, nous te sollicitons par notre prophète, nous te sollicitions dans le passé, par notre prophète, et tu nous as breuvés. Et maintenant, nous te sollicitons l'oncle de notre prophète. Alors abreuve-nous. Et ensuite, son oncle levait les mains et disait: Ya Allah, abreuve-les, Ya Allah. Et la pluie tombait, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, suivez bien avec moi. Les sahabas, quand le prophète alayhi salam était vivant, ils allaient directement vers lui: Ya Rasulallah, demande à Allah de nous abreuver. Saha. L'intercession par une personne. Mais maintenant, quand il était mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient vers qui? Ils allaient vers son oncle. Ils ont dit: c'est le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sûrement qu'il a, inshallah ta'ala, un statut, masha'Allah, chez Allah. Surtout qu'il était croyant, il était parmi les grands sahaba. Donc, il lui disait, ils allaient devant lui, et il lui disait: Ya Flan, Ya Abbas, fais-nous des doigts pour que Allah Ta'ala fasse tomber la pluie. Il disait à Allah, quand le prophète Assam était vivant, on allait vers lui. Maintenant il est mort, on vient vers son oncle. Ya Allah, abreuve-nous. Et il demandait à son oncle de faire des doigts. Il levait ses mains et faisait des doigts à son oncle. Al-Mu'im. Ce qui est important ici, pourquoi les Sahaba Omar et les Sahaba ici, radiallahu ta'ala anhum, pourquoi n'ont pas dit: quand le prophète Aslam était vivant, on allait vers lui. Et quand il est mort maintenant, allons à sa tombe. Allons à sa tombe et demandons-lui. Ils savent que c'est haram, c'est shirk, que ça ne marche pas. Naam. Qu'on ne peut pas demander à un mort. On doit demander à un vivant. Sinon, il serait parti vers sa tombe et lui aurait demandé, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit ici, Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala? Donc, ils substituèrent le prophète salam, par son oncle lorsqu'il ne fut plus possible de le solliciter de manière autorisée. Il aurait pu aller à sa tombe pour demander sa médiation si cela était permis. Ibn Taymiyyah, Majmou al-Fatawa, tome 1, page 318-319. Ensuite, le fait qu'il ne l'ait pas fait prouve donc l'interdiction de solliciter la médiation des morts, leur invocation ou leur intercession. Par conséquent, si la sollicitation de l'invocation du prophète et son intercession avait été permise, mort comme vivant, il ne l'aurait pas remplacé, c'est-à-dire le prophète, par quelqu'un de moins éminent, c'est-à-dire son oncle. Taïm. Elle dit, c'est premièrement. Et en sorte. La première, c'est quoi? C'est invoquer les morts, solliciter les morts. La deuxième, le fait de solliciter Allah Azza wa Jal par l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou autrui. Des gens qui disent: Allahumma bijah nabi. Bijah nabi. Beaucoup te disent: pourquoi c'est permis de dire cela? Naam, c'est permis. Ils vont citer le. Comme quoi? Shoukani, rahimahullah, il a dit que c'était permis. Et ensuite, Shoukani, rahimahullah, c'est savant. Il s'est trompé ici, il a des récompenses pour avoir fait des efforts. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. L'avis le plus juste, que c'est haram de demander à Allah Ta'ala une chose par l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et encore moins par autrui. Et encore moins par
Cheikh, hafidhahullah, dit, quant au hadith qui dit, إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. Si vous demandez à Allah, demandez-lui par mon honneur, car mon honneur est grand auprès d'Allah. Grand, ça s'écrit avec S. Demandez à Allah, demandez-lui par mon honneur, car mon honneur est grand auprès d'Allah. Je dis, ah, si ce hadith, seulement si ce hadith était authentique. Si ce hadith était authentique, il n'y aurait plus de problème. Il est clair. Si vous demandez à Allah, demandez-lui par mon honneur. Khlas, mon honneur est grand auprès d'Allah. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas authentique. Et qu'est-ce que dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah? Il dit, c'est un hadith mensonger, c'est-à-dire forgé, qui n'existe ni dans les livres de référence des musulmans. Et personne parmi les savants du hadith ne l'a cité. Ça, c'est ce que dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, rapporté par de qui? De Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, tome 10, page 319. Comme ça dit Cheikh l'Islam. Il a dit, c'est un hadith mensonger qui n'existe nulle part dans les livres des références des musulmans. Et personne parmi les savants du hadith ne l'a cité. Fin de citation. Alors, Cheikh Fawzan dit, alors, tant qu'il n'y a pas de preuve authentique quant à ce type de sollicitation, il est rejeté car les cultes et les adorations ne se confirment que sur base d'une preuve claire et authentique. Ça, c'est la deuxième sorte interdite. Jahan Nabi, alayhi salatu wa salam. La troisième sorte interdite. Le fait de solliciter Allah Azza wa Jal par les êtres créés. Par les êtres créés. Le shir dit, car si le bi, as'aluka bikada, bikada. Car si le bi, c'est-à-dire par, est utilisé comme particule de serment, cela revient à Allah Azza wa Jal par ce serment. Et s'il nous est interdit d'adjurer une créature à une autre, car cela constitue une association à Allah, d'après le hadith ultérieurement cité, alors il est encore plus grave d'adjurer Allah Azza wa Jal par une créature. Par contre, si le bi, c'est-à-dire par, je jure par, utilisé pour désigner une causalité, Allah Azza wa Jal n'a pas fait de la demande via une créature une cause menant à une réponse et ne l'a pas permise à ses serviteurs. Ce n'est pas de dire Ya Allah, as'alou bifoulan. Allah, je vous demande par X, et je cite un nom, je vous demande par mon voisin, je vous demande par mon professeur d'éloigner de moi ce problème. Naam, il a dit c'est interdit. Et enfin, quatrièmement, le fait de sauver Allah Azza wa Jal par le droit d'une créature. C'est pas par la personne, mais en droit. Cheikh dit, c'est interdit pour deux raisons. Alors disons premièrement, car Allah Azza wa Jal n'est redevable de rien à personne. Car Allah Azza wa Jal n'est redevable de rien à personne. Comment toi tu dis, Ya Allah, je te demande par le droit de X. Je te demande par le droit de mon voisin de me donner telle chose. Je te demande par de mon mari de me donner telle chose. Non. Allah Ta'ala n'est redevable de rien à personne. Et personne n'a un droit sur lui. Personne n'a un droit sur Allah Subhanahu wa Jal. Et Allah Ta'ala, plutôt, c'est lui qui accorde sa faveur à sa créature. À titre d'exemple, il a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَ بَيِّنَاتٍ فَانْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ C'est ça le témoin. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30-47. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple et ils leur apportèrent des preuves. Nous nous vengeâmes de ce crime, de la négation, et voilà le témoin du cours. Et c'était notre devoir de secourir les croyants. C'était notre devoir de secourir les croyants. Écoutez ce que dit le shir. Le fait que le serviteur obéissant soit digne d'une bonne récompense est un mérite par faveur et bienfait de la part d'Allah et sûrement pas un mérite provenant de l'acte même
comme c'est le cas des créatures entre elles. C'est-à-dire ici, qu'Allah, dans ce verset, il a dit, et c'était de notre devoir de secourir les croyants. Attention que tu dises, donc j'ai un droit sur Allah, puisque lui, il doit faire un devoir. C'est quoi le devoir d'Allah? C'est sur les croyants. Donc moi, j'ai un droit sur lui. Ya Allah, tu dois secourir les croyants. Ah, droit. C'est notre droit. Et toi, c'est ton devoir, tu dois le faire. Cher, te dis, tu crois cela. Naam, le devoir qu'Allah s'est donné à lui-même, c'est lui-même qui s'est mis ce devoir sur lui. C'est pas toi, tu l'as obligé pour que ça devienne un devoir. C'est pas comme le maître, il oblige les élèves à faire des devoirs. Naam. Je ne sais pas qui la loi t'oblige à faire tel et tel devoir. Non. Allah Ta'ala, c'est comme par exemple dans le hadith où il a dit, je suis interdit haram à moi-même et je l'ai interdit à mes serviteurs. Est-ce quelqu'un yani, a dit Allah, telle chose est haram pour toi? Le dhulm, l'injustice. Ya Allah, l'injustice est haram pour toi? Tu dois la rendre haram? Non. C'est lui qui a décidé de faire de l'injustice quelque chose de haram pour lui. Personne ne peut yani, le forcer à ce qu'il fasse haram. Ou là, à ce qu'il ait un droit, un devoir sur nous. Non. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, car le droit qu'Allah Ta'ala a accordé ou l'a accordé à son serviteur est propre à ce dernier. Et par conséquent, on a le lien avec personne d'autre. Naam. Le cheikh dit, le droit qu'Allah Ta'ala accorde à son serviteur est un droit propre à lui et de lien avec personne d'autre. En outre, si une personne qui n'en est pas digne, cela devient une sollicitation par une chose qui lui est étrangère et qui n'a aucun rapport avec cette personne. Donc, cela ne sert à rien, strictement à rien. Non. Le droit que Allah Ta'ala accorde à son serviteur est un droit propre à ce dernier. Par conséquent, ça n'a pas de lien avec une autre personne. Je vais chez une autre personne et je demande à Allah Ta'ala par le biais d'une autre personne. Non. Allah Ta'ala m'a donné mon droit à moi que j'ai le droit d'employer, par exemple, dans les doigts, d'employer des choses. Mais c'est moi qui emploie. C'est pas je vais employer une autre personne par son bien. Donc maintenant, inchallah ta'ala, on va terminer en disant résumé de la sollicitation. Tawassul. Donc, si vous avez bien suivi, le tawassul figure deux sortes. La sollicitation autorisée et la sollicitation interdite. La sollicitation est de six sortes. La première, solliciter Allah Azzawajal par ses noms et ses attributs. La deuxième, solliciter Allah Azzawajal par la piété et les bonnes œuvres, par celui qui sollicite, comme les trois rentrés dans la grotte. Solliciter Allah Azzawajal par son unicité, Tawhid. La quatrième, solliciter Allah Azzawajal en manifestant son état de faiblesse, de nécessité, de pauvreté envers lui, m'a fait Moussa, a fait Ayyub, alayhi salam. La quatrième, solliciter Allah Azzawajal, la solliciter Allah Azzawajal par le biais d'invocations de personnes pieuses et vivantes. Comme les Sahaba faisaient avec l'oncle, d'abord avec le prophète Islam, et après sa mort avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième, solliciter Allah Azzawajal en avouant son péché. Ya Allah, vous savez ou là tu sais que j'ai fait tel et tel chemin, Ya Allah, pardonnez-moi, etc. Sinon, je serai des membres des perdants. Tout cela, c'est ce qui est permis. Ensuite, il y a la sollicitation interdite. Elle est de quatre sortes. La première, solliciter les morts. La deuxième, solliciter Allah Azzawajal par l'honneur du prophète ou autrui. As'aluka Allahumma bi jah nabi, bi jah wali et bi jah je ne sais qui. La troisième, solliciter Allah Azzawajal par les êtres créés. Je demande à Allah Ta'ala qu'il me m'aide à cause de X et Y.
La quatrième. Solliciter Allah Azzawajal par le droit d'une créature. Je dis à Allah, par le droit de cette personne, alors donnez-moi tel par le droit de cette personne. Naam. Aucun droit, aucune personne n'a un droit sur Allah subhanahu azzawajal. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on commence Allah Ta'ala à la première question. Voilà, on commence Allah Ta'ala à la première question. Et Inch'Allah Ta'ala, j'ai bien réfléchi au projet de... C'est-à-dire, comment trouver une solution pour que, yani, on fasse quelque chose pour que les gens puissent aussi poser leurs questions qui n'ont pas rapport avec le cours. Voilà, les questions générales. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes maintenant le 8 février. Inch'Allah Ta'ala, à partir du mois prochain, Inch'Allah, à partir du mois prochain, le problème bi'idhnillahi ta'ala sera réglé, Inch'Allah Ta'ala. Pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, cas spécial, les admins, je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala, aux 20 premières questions. Aux 20 premières questions bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl, c'est quoi la première? Et quand tu poses la question, tu dis c'est la première, la deuxième, la troisième, et comme ça, et on compte. Tfadl. Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. Première question, cher. Question d'une sœur qui dit: Cher, qu'Allah Ta'ala vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je n'ai pas compris la troisième sollicitation interdite, qui est le fait de solliciter Allah Azzawajal par les êtres créés. Donc, le fait de solliciter Allah Azzawajal par les êtres créés. Pouvez-vous nous réexpliquer, cher? Barakallahu fikum. Si vous vous rappelez bien, une seconde, Njiblahor, si vous vous rappelez bien, chauffe, la troisième interdite, je vais vous la citer ici, la première, la deuxième, la troisième. Regardez, c'est celle-là. Le fait de solliciter de l'argent par les êtres créés. Et la quatrième t'aide à comprendre la troisième. Et la quatrième, le fait de solliciter de l'argent par le droit d'une créature. Donc, on veut dire ici que les deux sont interdites. La première, que tu demandes à Allah Ta'ala une chose par le biais d'un être. Un être. Non, un être. Par exemple, tu dis, Ya Allah, je te demande par yani, le biais, je te demande par mon oncle qui prie beaucoup, là, par mon oncle qui est pieux, par exemple, de me faire réussir, par exemple, au baccalauréat. Tu as demandé Allah Azzawajal par le biais d'un être. Un être que Allah Ta'ala a créé. Ça, c'est interdit. On ne demande pas par... C'est pas qu'on passe par... Tu ne demandes Allah Ta'ala par aucun être. Par lui, directement. Naam. La quatrième, c'est la différence entre la troisième et la quatrième, c'est de demander par le droit d'un être. Et Allah Ta'ala, je vous demande par le droit qu'a cette personne sur vous de me donner telle et telle chose. Je vous demande par le droit, Naam, de telle personne de me donner une chose. Ça, c'est interdit. Peut-être c'est plus grave que l'autre. Car dans la troisième, tu as demandé par le biais d'un être. Dans la quatrième, tu as prétendu que cet être a un droit sur Allah. Naam, les deux sont interdites, bi'idhnillahi ta'ala. En islam, c'est direct. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تفضل. Barakallahu fikoum, cher. Deuxième question, question d'une sœur, qui dit: Cher, pouvez-vous nous réexpliquer la sollicitation autorisée? Car je n'ai pas bien compris. Barakallahu fikoum, cher. Quand tu as cité la sollicitation, tu as dit, pouvez-vous nous expliquer la sollicitation là,
Ça a coupé, je n'ai plus entendu de quelle sollicitation tu parles. En fait, Cheikh, la sœur demande, je crois que vous refassiez le cours, puisqu'elle demande la sollicitation autorisée, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble du cours. La sollicitation autorisée est de six sortes. De six sortes. La première, solliciter Allah Azzawajal par ses noms et ses attributs. La deuxième, solliciter Allah Azzawajal par la piété. Tu dis à Allah, je te demande par la foi, par l'iman. Non, je te demande à Allah Ta'ala par yani, la salat que je fais, les bonnes œuvres aussi, de me donner telle et telle chose. C'est la deuxième. La troisième, solliciter Allah Azzawajal par Tawhid. As'aluka, ya Allah, as'aluka bi annaka anta al-wahid, al-awhad. Que tu me donnes telle et telle chose. Ya Allah, je te demande le fait que tu sois l'unique. L'unique à être adoré. Ou plutôt l'unique digne d'être adoré. Que tu me donnes telle et telle chose. Tu l'as sollicité par son unicité. Tu sollicites Allah Azzawajal en montrant ton état de faiblesse, de nécessité et de pauvreté envers lui. Ya Allah Ta'ala, si tu m'aides pas, je vais couler. Ya Allah Ta'ala, je suis faible. Ya Allah Ta'ala, je suis malade. Ya Allah Ta'ala, je suis pauvre. Ya Allah Ta'ala, je suis seul. Ya Allah Ta'ala, je suis abandonné. Ya Allah, aide-moi. Et comme ça, tu montres tous tes points faibles. Cinquième, solliciter Allah Azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuses qui sont vivantes. Une personne pieuse qui est vivante, je lui dis fais-moi des doigts pour que, par exemple, je me marie. Je demande ça à une personne qui est pieuse et qui est vivante. Je lui dis fais-moi des doigts pour me marier. Sixième, je demande à Allah Azzawajal en avouant mon péché. Ya Allah Ta'ala, je suis plein de péchés. Ya Allah Ta'ala, arrête pas de faire des péchés, aidez-moi. Ya Allah Ta'ala, je viens de faire un péché, aidez-moi à faire le repentir. Et comme ça. Voilà, inshallah Ta'ala. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante, donc la troisième question. Question d'un frère qui dit qu'Allah vous rétribue grandement pour ses cours bénéfiques, cher. C'est une ni'ma de vous rejoindre chaque semaine. Vous disiez que l'on pouvait demander à une personne pieuse et vivante d'invoquer pour nous. Je demande souvent à ma mère d'invoquer pour moi. Mais parfois elle prie et parfois elle délaisse sa prière. Pouvez-vous me dire si ça rentre dans cette catégorie? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous accorde le firdaus. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Demande, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, demande-lui quand elle est dans la situation où elle prie. Car, alhamdoulilah, elle prie, personne pieuse, et surtout, c'est ta mère. Parents, c'est connu comment qu'ils sont, bi-idhnillah ta'ala, yani accepté, exaucé. Donc demande-lui seulement quand tu sais qu'elle est dans la situation en train de prier. Quand elle ne prie plus, la période où elle ne prie plus, ne lui demande pas, ou bien perverse, ou bien kafira, ce qui est grave. Naam. Chérie, est-ce que vous avez fini? Parce que je ne sais pas si vous avez fini ou si vous avez été déconnecté. Alhamdoulilah, barakallahu fikoum, cher. Donc, on va poser la quatrième question, qui est la question d'un frère, cher, qui dit: Hayakum Allah, cher, pouvez-vous rappeler le hadith faible de Omar et nous dire qui l'a rendu faible, cher? Barakallahu fikoum.
C'est les savants, Inch'Allah, qui l'ont cité. Et mieux encore, je vais vous donner. Donc, trouve. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde, je suis en train de chercher le hadith. D'accord, je vous rappelle le hadith. C'est comme quoi Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu voulait faire Omra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Omar, ne m'oublie pas dans tes doigts. C'est-à-dire dans la Omra. Non. Ou alors ne nous oublie pas dans tes doigts. Une seconde. On va chercher, inshallah ta'ala, où se trouve ce hadith et qui l'a yani, rendu faible. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Écrivez numéro 1. On va voir maintenant si le hadith va s'afficher ou pas. Vous êtes avec moi, les admins. Donc le hadith latin d'après Omar le hadith est faible en dor daif al-jami' daif al-jami' de Cheikh Al-Albani numéro 6278 bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl pour la question suivante. Barakallahu fikoum, cher. On passe à la prochaine question, donc la cinquième question, question d'un frère. Cher, qu'Allah vous récompense en bien. Est-ce qu'une personne qui demande à un homme mort qu'il invoque pour lui? Car il pense que cette personne qui est morte est plus proche d'Allah. Est-ce que cette personne est mécréante ou faut-il lui donner les preuves, etc., pour dire que c'est un mécréant? Barakallahu fikoum, cher. Naam, on va voir si cette personne vit parmi les savants, etc. Elle ne sera pas excusée. Parce qu'une chose pareille est connue par tout le monde. Mais si elle vit comme ça dans un pays, par exemple, où il n'y a pas de savants, il n'y a pas d'ilm, il n'y a rien, cette personne, il n'y a pas quoi, on doit et lui dire attention, ce que tu fais, c'est du grand shirk. Pas toute personne qui est morte est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui est morte, pas toute personne, il se peut qu'une personne soit morte, mais elle est vraiment loin d'Allah Ta'ala. Au contraire, elle est proche de Jahannam, pas d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non, il faut voir si cette personne était pieuse, etc. Premièrement, et deuxièmement, même si elle était pieuse, etc., elle ne pourrait rien faire étant morte. Elle aurait pu faire quelque chose si elle était vivante. Et tu lui aurais demandé de faire des doigts pour toi, bi-idhnillahi Ta'ala. Donc je résume. La personne, si vraiment elle est ignorante, on lui apprend. Surtout si elle vit dans un pays où il n'y a pas de savant. Dans un pays où le tawhid est répandu, dans ce cas, beaucoup ne l'excusent pas. Naam, tfadl. Fait comme cher. Je vous pose la sixième question. Question d'une sœur chère qui dit, cher, souhaite savoir, enfin souhaite que vous répétiez la cinquième sollicitation autorisée, car elle n'a pas compris. Et j'ai ajouté à cela, cher, la question d'un frère qui dit, cher, sollicitez Allah Azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuses et vivantes. Qui sont ces personnes pieuses, hormis les savants? Cher, puissiez-vous nous invoquer pour nous et pour tous nos frères et sœurs reconvertis, subissant de grandes injustices et de grandes épreuves, cher. Puisse Allah, l'infiniment bon, vous accorder une place au paradis ainsi que votre famille. Donc ces deux personnes, chères, aimeraient des éclaircissements sur la cinquième sollicitation, et notamment le fait de savoir qui sont les personnes pieuses. Puis elle demande de faire des invocations pour toutes les personnes qui subissent des épreuves, notamment les frères et sœurs reconvertis. Qu'Allah leur accorde une issue heureuse à leurs problèmes.
Donc la cinquième qui est permise, c'est quoi? Je sollicite Allah Azzawajal par le biais des invocations de personnes pieuses et vivantes. Vivant, parler. On en a parlé, on ne peut pas demander à un mort quelque chose en islam. Si, donc, si, puisque la condition pour pouvoir demander des invocations à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit vivant, maintenant, ça a une autre charte, une autre, comment on dit, charte, une autre question pour la personne vivante, c'est quoi? C'est d'être pieuse. Donc, pour l'instant, inshallah, là, je crois que c'est clair. Quand je sais, que je sais et je sens que telle personne est pieuse, d'après ce que je vois d'elle et ce que j'ai remarqué d'elle, je peux lui dire, jazakallah khair, par exemple, faites-moi une doua, par exemple, faites une doua pour mon père, il est malade, par exemple. Ensuite, la personne, dans le même contexte, elle a dit, qui sont les personnes pieuses si ce n'est les saints? Je dis non. Ça, le vrai savant, c'est quelqu'un de pieux automatiquement. Mais une personne peut être pieuse sans être savant. Une personne simple comme ça, là, qui n'est pas savant, mais peut être pieuse. En ce sens où elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'éloigne des péchés, elle fait son possible pour jeûner tout le temps, pour ceci, pour cela, non, pieuse, mais tout juste le minimum de science qui l'aide pour faire ces choses convenablement. Ces choses simples, comme siyam, comme nafila, comme, elle les fait convenablement. On dit d'elle, c'est une personne pieuse, non, même si elle n'est pas savante. Donc, tout est pieux, mais pas tout pieux est savant. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Ensuite, la personne a demandé à ce que je fasse des doigts. Entre parenthèses, je ne suis ni savant ni pieux. Mais, puisque vous m'avez demandé des doigts, je vous fais des doigts à vous et à moi-même. Et à moi-même, Allah al-Ali al-Azim al-Qadir, an yu'inani wa yu'inakum, wa an yiftaha alayna futuhat min indih. وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه وكل شر وأن يوفقنا ويوفقكم لما فيه خير وأن يوفقني وإياكم لكل ما فيه مرضاته سبحانه عز وجل ولكل ما فيه voilà إن شاء الله تعالى تفضل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, inshallah? Donc, septième question. Question d'un frère. Qu'Allah vous augmente en science bénéfique. Voici ma question. Concernant la sollicitation d'Allah par le biais de la personne, à quel moment peut-on demander à une personne de nous faire des doigts? Pouvez-vous me donner des exemples? Dois-je délaisser cette pratique? Pouvez-vous revenir sur ce passage? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. En fait, je n'ai pas compris la question. J'ai pas bien compris la question, Barakallahu fik. Non, je la répète, Inch'Allah. Concernant la sollicitation d'Allah par le biais de la personne, à quel moment peut-on demander à une personne de nous faire des doigts? Pouvez-vous me donner des exemples? Et après, Allah Alam, je pense que c'est une erreur de frappe dans la question. C'est écrit, textuellement, c'est écrit, doit délaisser cette pratique-là. Donc, Allah Alam, je pense que la personne a écrit, a voulu dire, dois-je délaisser cette pratique? Pouvez-vous revenir sur ce passage? Et c'est pour cette raison, Barakallahu fikoum, que le frère tout à l'heure, Ibn Muhammad, et à chaque fois on vous le demande, relisez-vous lorsque vous rédigez une question. Ça prend 10 secondes. Vous vous relisez et voyez déjà si vous comprenez ce que vous avez écrit, min fadlikoum. Sinon, on perd du temps. Tfadal cher. On ne doit pas exagérer dans cette chose, même si elle est permise. Car ça va quoi?
ça va t'apprendre à devenir paresseux. Et au lieu que ce soit toi qui fasses les bons doigts à Allah Ta'ala, maintenant, tu dis non, il y a des gens qui vont faire des doigts pour moi. Si tu n'oubliais pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit La tes'alou nasa shay'an, ne demandez rien aux gens. Ne demandez rien aux gens. Taïb. Ensuite, quand tu demandes une chose à quelqu'un, tu deviens sous son emprise. Parce que c'est toi qui demandes dans ta main et en dessous. Et c'est à lui qu'on demande, lui il est plus élevé que toi. Toi tu es en dessous car tu viens de lui demander une chose. Mais malgré cela, puisque c'est permis, donc on va laisser ça pour yani le besoin. Le besoin, c'est pas tout le temps. À tout bout de champ, celui que je le trouve, je sais que il est bien, je lui dis fais-moi des doigts, fais-moi des doigts. Non, ne demandez rien aux gens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on suit dans le besoin, j'ai de gros problèmes. Je viens de rencontrer quelqu'un dans lequel je sens ou bien quelqu'un qui prie beaucoup pour la sunna, mashallah. C'est quelqu'un ou bien c'est un savant ou bien. Je profite de lui dire faites-nous des doigts, barakallahu fikoum. Ou bien je lui dis toi par exemple, mashallah, je sais ou là tu m'as dit ou là j'ai appris. Ou Alhamdoulilah, tu jeûnes comme ça, yani chaque lundi. Quand tu fais le jeûne, n'oublie pas de me faire une doua. Quand tu pries la nuit, n'oublie pas de me faire une doua. Comme ça, je laisse ça, inshallah ta'ala, pour le besoin, pour que ça ne devienne pas une habitude chez moi et que je devienne paresseux et je compte sur les gens. Et ensuite, à cause du hadith, ne demandez rien aux gens pour ne pas yani, contredire ce hadith bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Allahu a'lam, cher, mais le frère Fawzi est occupé là. Ben, c'est bon, le Mohamed s'en occupe. Donc, 8e question. Question d'une sœur. Cher, ici en France, nous recevons sans cesse des SMS pour que nous fassions des doigts à des personnes touchées par des épreuves comme la santé, une intervention chirurgicale, un décès, etc. Ces messages sont transférés parfois dans tout le pays, passant par des gens pieux comme non pieux ou sectaires. Est-ce que cette pratique est correcte? Sinon, que devons-nous faire à ce sujet? Toi, Dalcher. Muslim, est-ce que tu avais terminé la question numéro 1? Si tu as terminé, je n'ai pas. Il n'y avait pas eu la fin de dans ta question. Il y a des gens qui envoient comme ça des SMS et des textos, comment vous les appelez. Yani se divise en plusieurs groupes. Disons se divise en deux grandes sortes. Ceux qui vraiment écrivent cela, dont le but, yani vraiment, yani, il veut te rappeler de faire des doigts aux gens qui sont en Syrie, aux gens qui sont à Burma, ou là, comment ça s'appelle, en français, qui sont, yani, qui sont les hindous, et les bouddhistes. Non. Comment ça s'appelle Burma en français? Ce pays-là où on est en train d'exterminer les musulmans, où les bouddhistes sont en train. Birmanie, voilà, Barklofik, Birmanie. Yani, sont en train d'exterminer les musulmans. Le mohem, quelqu'un t'envoie comme ça. Toi, quand tu lis le texto, et tu sens que ce qu'a dit la personne, c'est vrai. Te dis par exemple, n'oublie pas de faire des doigts à tes frères en Birmanie ou là. Et que tu sens que ton cœur est avec toi. Des fois, ton cœur n'est pas avec toi. C'est pas le moment. Je suis occupé, je suis je ne sais pas quoi. Tu sais que ton cœur est avec toi. Tu ne perds rien de dire, ya Allah, aidez-nous, les musulmans en Birmanie. Ya Allah, faites-leur une solution. Ya Allah, ceci, cela. Qu'est-ce que tu as perdu en faisant des doigts? Tu n'as rien perdu. Et quand tu sens qu'on envoie comme ça des choses seulement par habitude, non, on envoie comme ça juste pour passer le temps ou là, personne ne t'oblige à faire des doigts. Non, personne ne t'oblige à faire des doigts. Tfadlal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykoum, cher. Pouvez-vous m'expliquer ce hadith? Je n'ai mis que le passage intéressant, mais il est plus long. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
nous a décrit où est-ce la carnie. Il nous a fait connaître qu'il était roux et qu'il avait les yeux bleus. Il nous a informé qu'il avait une marque brillante sous son épaule gauche. Montre-nous cette marque. Si elle existe, c'est toi que nous cherchons. Uwais leur découvrit sa marque distinctive. Omar et Ali se mirent à l'embrasser et lui dirent: Nous témoignons que tu es Uwais al-Qarni. Demande pardon pour nous et Allah te pardonnera. Ma question est: comment le meilleur homme après le prophète demanderait à un tabi, à un tabi'in, radiallahu anhuma. Tfadashir. Mouslim, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Mouslim, tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que pas entendu ou je n'ai pas compris la question. Lis-moi compris l'histoire de Ouis el-Qarni, Rahimahullah. Lis-moi la question. Comment se fait-il que, etc. La question, donc la personne dit, ma question est comment les meilleurs hommes après les prophètes demanderaient à un tabi'in, radiallahu anhu. Tfadashir. Afouane, cher, je me permets juste de prendre le micro pour vous dire donc la question en elle-même, c'est comment donc les Sahaba pourraient demander à des gens qui sont en apparence donc normalement de moindre niveau par rapport à eux, aux yeux d'Allah Azzawajal, qui sont les tabi'in, qu'Allah Azzawajal leur fasse tous miséricorde. Et d'autre part, elle veut demander, cher, si le fait de demander à autre, ça ne fait pas une diminution dans son tawhid et dans son rapport avec Allah Azzawajal. Je réponds, je dis, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et aux créatures, créatures après les messagers et les hadiths, yani, dans ce sens, sont très connus chez vous et chez tout le monde, dans le Bukhari et les autres. N'oubliez pas le hadith que si l'un de vous yani, donnerait comme la montagne de Uhud en or, ça ne va pas équivaler à quoi? Yani, il a dit à une poignée d'un sahaba quand il donne quelque chose ou bien la moitié de la poignée. Al-Muhim. Mais maintenant, il y a cette exception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Sadiq al-Masdouq, qui n'a jamais ta informé qu'il y a quelqu'un parmi yani, ceux qui vont venir, c'est-à-dire parmi les tabi'oun, qui quoi? Qui a, bi-idhnillahi ta'ala, yani, pas exaucé. Alors il a dit, demandez-lui qu'il vous fasse une doua. Vous avez compris? Les sahaba, quand ils sont les meilleurs que les autres, cela ne veut nullement dire que chaque sahabi a quoi? Yani, a les doigts exaucés. Non, il est meilleur en ce sens que son statut est plus élevé qu'un tabi'in. Mais ça ne veut pas dire que yani, à chaque fois qu'il fait des doigts, il est exaucé. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir après les sahabas et que Allah Ta'ala lui a donné cette quoi? Cette particularité d'avoir les doigts exaucés. Alors le prophète Sam a dit, profitez. Demandez-lui des doigts. Donc c'est très clair et simple, bi-idhnillahi ta'ala. Et ensuite, ça ne touche pas le tawhid. Pourquoi? Car je viens de lui demander, à cause que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a demandé de lui demander. Vous avez compris? Je demande à Ouwais al-Qarni de me faire des doigts. Cette demande elle-même est une obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé de lui demander. Sinon, je lui aurais peut-être pas demandé. Vous avez compris? Donc,
Non seulement ça ne touche pas le tawhid, ça marque vraiment l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, est-ce que l'on peut demander des invocations à nos parents? Et pourquoi dit-on que les invocations des parents sont mustajab, mais dans des particuliers où on a eu les invocations de nos parents, elles ne sont pas exaucées. Non, mais la question est mal formulée, il manque des mots. Mais dans des particuliers où on a eu les invocations de nos parents, elles ne sont pas exaucées. Dans des cas particuliers où on a eu les invocations de nos parents, elles ne sont pas exaucées. Relisez-vous, c'est important, Allah, c'est important. Relisez-vous quand vous nous envoyez des questions. Cher, j'aimerais vous dire, pour votre toux, d'aller faire un scanner, qu'Allah vous guérisse. Mais mon père et mon oncle avaient tous deux une toux persistante. Et c'est finalement un cancer des poumons. Par Allah, je crains pour vous autant que mon père et mon oncle. Rajoutez, cher, qu'Allah l'en préserve. Donc, qu'Allah vous en préserve, cher. Tfada, cher. En fait, je n'ai pas entendu la question. J'ai entendu seulement que un scanner et que Allah Ta'ala nous préserve pour que, Inch'Allah Ta'ala, je n'ai pas de cancer. Sinon, je n'ai pas écouté la question. C'est quoi la question, Barakallahu fik? Non, mais je vous relis, cher. Cher, est-ce que l'on peut demander des invocations à nos parents? Et pourquoi dit-on que les invocations des parents sont mustajab, mais dans des cas particuliers où on a eu les invocations de nos parents, elles ne sont pas exaucées? Tfadal, cher. D'abord, Barakallahu fi, le akh ou bien la sœur qui m'a yani donné cette nasiha de faire le scanner, etc. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala me préserver, vous préserver de tout mal. De tout mal. Naam. Première question, c'était. Donc, il y a deux questions par rapport aux parents. La deuxième, je me rappelle très bien. Pourquoi des fois les parents. Et voilà, la première, pourquoi yani ils ont des doigts exaucés. Ça c'est quoi? C'est une particularité que Allah Ta'ala leur a donnée. C'est une particularité que Allah Ta'ala a donnée à qui? Aux parents. Vous savez qu'il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 choses qui yani, ont des doigts exaucés. Naam. Parmi celles-là, c'est le fait que les parents nous fassent des doigts. Les parents, quand je dis les parents, c'est pas des parents yani, kuffar, comme vous savez. Des parents qui sont mashallah, qui font la prière, qui essaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ils peuvent, autant qu'ils peuvent. Naam. Et la deuxième question, la personne a dit pourquoi plusieurs fois nos parents nous font des doigts et ça ne marche pas. Réponse: des fois, car quand ils font des doigts, ils n'ont pas le khushu'. Ils n'ont pas le cœur avec eux. Il dit comme ça, comme par habitude. Non, il n'a pas le cœur cassé, il fait les doigts. Des fois, ça ne marche pas, car ça n'a pas rencontré le moment de l'exaucement. Des fois, ça ne marche pas, car les parents ne remplissent pas les conditions. Comme par exemple, ils mangent le haram ou boivent le haram. Et comme ça. Donc, il y a des fois des empêchements. Sinon, le prophète alayhi nous a averti, a informé que yani les parents, si jamais ils remplissent les conditions, pas d'empêchement, les doigts, leurs doigts sont exaucés bi-idhnillahi ta'ala. Une question suivante. Inch'Allah, mettez-vous d'accord les frères. Soit Fawzi ou Mohamed. Donc la 11e question. Est-ce que c'est permis, donc est-il permis de faire une zakat en voulant par cela que les gens leur fassent des invocations?
Et il dit, je connais une personne qui chaque semaine fait des doigts ou du dhikr pour ses ancêtres qui sont morts. Est-ce que cela est interdit? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Est-ce que tu as dit chaque Jumu'ah? Est-ce que tu as dit cette phrase? Est-ce que tu as dit je connais des gens qui chaque Jumu'ah font. Là, taïeb, donc j'ai pas bien entendu la question. Ensuite, tu as dit que la zakat. Tu crois que, voilà, chaque semaine, ça. Je ne comprends pas que vient faire la zakat dans la question. Tfadla. Non, mais justement, cher, je me demande en fait si la personne n'a pas voulu dire une sadaqa, mais là elle a parlé de zakat, donc je me demande, c'est soit elle parle de la zakat, donc la zakat obligatoire que la personne donne et par cela en fait elle le donne à certaines personnes en particulier pour que ces personnes-là lui font des doigts, ou alors elle a plutôt parlé de sadaqa en général. Wallahu a'lam. La question c'est écrit zakat. Tfadal cher. Peut-être que la personne parle de ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand il a dit que yani c'est bien la personne quand elle donne une zakat ou bien donner une aumône de faire des doigts avant de donner cette aumône ou après. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui donnait la zakat, ensuite il faisait des doigts à la personne. Ça, il lui donnait la zakat, il faisait des doigts à la personne. Et il faisait la prière sur lui. Il faisait Allahumma salli ala al, yani Abi Aoufa, comme il a dit une fois. El Mouhem, c'est bien quand quelqu'un nous donne par exemple une aumône, qu'on lui fasse des doigts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand quelqu'un vous donne une chose, essayez de lui donner pareil, ou si vous n'arrivez pas, au moins de lui faire des doigts. De lui faire des doigts. Il a dit dans un hadith authentique, quand tu dis à quelqu'un Jazakallahu khayran, tu as vraiment, yani, vraiment tu as fait l'éloge. Quand tu dis à quelqu'un, Jazakallahu khayran, tu as fait vraiment l'éloge. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Non, je suis à la deuxième partie de la question qui dit je connais une personne qui chaque semaine fait des doigts ou du dhikr pour ses ancêtres qui sont morts. Est-ce que cela est interdit? Tfadal cheikh. Ce n'est pas interdit si la personne ne fait pas exprès. Si elle dit par exemple, comme ça, une fois chaque semaine, je dois faire des doigts. Si par contre elle choisit le moment, elle dit par exemple, je sais qu'il y a un hadith qui dit par exemple que le jour du vendredi, après Salat al-Asr jusqu'au Maghreb, que c'est un moment où Allah Ta'ala exauce les doigts. Ensuite, à chaque fois, elle fait des doigts à ses grands-parents, ses ancêtres, c'est bien. Elle s'est basée sur quelque chose de légiféré. Où elle dit par exemple, il y a un hadith de Sahabi qui montre que le mercredi, après Salat al-Dhuhr, je dis bien le mercredi, après Salat al-Dhuhr, vendredi j'ai dit après l'Asr, mercredi après Salat al-Dhuhr, que les doigts sont exaucés. Hadith authentique. Donc, chaque mercredi, après Salat al-Dhuhr, il lève ses mains, commence à faire des doigts, entre autres, il cite. C'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. Car il m'a guéri, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si lui tout seul, il invente des choses, il va à 10 h du matin, je dois faire des doigts à mes ancêtres. Dans ce cas, il rentre dans la bid'a. Naam. Wallahu ta'ala. Non, donc douzième question, cher. Question d'une sœur qui dit quand je vais au bled, il y a souvent des gens plus ou moins proches qui vont encore voir des gens dans les tombes pour faire le tour comme le tawaf et demander aux morts de faire doa. Comment faire pour les conseiller? Souvent, je ne les conseille pas car je parle mal l'arabe, donc je ne dis rien. Car si je parle, on me dira, mais tu parles même pas l'arabe,
et tu viens nous parler. Donc ma question est-ce que j'ai des péchés si j'entends encore quelqu'un me dire qu'il est allé voir Sidi Foulan, et puis je ne dis rien? Et comment leur faire dawa du coup, barakallahu fikoum, cheikhana, tfadal cheikh. Pour leur faire dawa, il faut de l'une de deux choses, de deux choses. Ou bien c'est toi qui apprends l'arabe, ou bien ce sont eux qui apprennent le français. Ou bien c'est toi qui vas apprendre l'arabe, ou bien c'est eux qui vont apprendre le français. Et bien sûr, la meilleure serait que ça soit toi qui apprennes l'arabe. Non? Car toi, tu es une personne, eux, ils sont nombreux. Et ensuite, en apprenant l'arabe, tu vas apprendre ton din. Donc, vous voyez la nécessité d'apprendre l'arabe. À cela, si c'est possible, quand tu vas la prochaine fois chez eux, prends avec toi un livre en arabe. Naam. Et ce livre, etc. Et de préférence, d'éviter les livres de Ibn Baz, etc., rahimallah, parce qu'ils ne vont pas accepter. Ils vont dire ce sont des wahhabites, etc. Même en connaissant pas l'arabe, quelqu'un vient te dire, voilà, on était chez Siflan, etc. Leur dire même phrase, yani, que ce que vous faites, c'est pas bien, naam, et que c'est haram, etc. Juste pour te désavouer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais se faire, yani, une fitna avec la famille. Tu dis, yani, comme ça, avec politesse, tu dis par exemple, yani, il faut demander aux ulama, les ulama disent, tu dis en arabe, les ulama, go, ulama, voilà. Et tu laisses comme ça, au moins peut-être pour les réveiller un peu. Même si tu dis ça en, yani, sans montrer que tu es énervé, pour que ça fasse pas de fitna. Allez lire les livres et allez demander aux savants. Inch'Allah. Tfadlat. Non, donc treizième question. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve. Ma question porte sur le shirk. En effet, il y a une parole chantonnée lors des mariages, particulièrement les mariages marocains, commençant par Sla Slam ala Rasulillah. Je sais qu'il s'agit d'une bida'a, Allah al-Musta'an, cependant ne comprenant que peu l'arabe. De cette parole, je me demandais s'il y avait du shirk dedans. C'est une sœur qui dit qu'il y en a, mais elle n'en est pas certaine. Pourriez-vous revenir sur la traduction de ces paroles? Y a-t-il en effet du shirk? Mouslim, est-ce que tu as terminé ta question? Naam, cher. Or, Mohamed, il n'y avait pas de son quand je parlais. En fait, Cheikh, il restait juste la doua qu'Allah vous récompense. Sinon, le reste a été dit par le frère. D'accord. Mais pour que je puisse prendre une position sur les paroles de ce qu'on dit dans les mariages, il faudrait me citer des phrases. Moi, je n'ai rien entendu à part Salatu Salam ala Rasulillah. Et ça, ce n'est pas du shirk. Si quelqu'un dit Salatu Salam ala Rasulillah, il n'a pas fait du shirk. Là, faire de ça une chanson. Mais ce n'est pas le shirk. Il n'y a que ça. S'il n'y a que ça, il n'y a pas de shirk. Où est le shirk? Mais ce n'est pas bien de faire de ça une chanson. On peut prendre de ça, yani, un quoi, un péché. Non. En fait, Cheikh, d'après ce que j'ai compris de la question, la personne ne connaît pas donc les paroles. Et elle pensait que vu que vous êtes en Algérie, vous connaissez peut-être ces paroles. Mais
En Algérie, il n'y a pas ce genre de. C'est plus les Marocains qui font cela. Et donc, si quelqu'un connaît, si quelqu'un qui nous transmette plus ou moins les paroles, et on verra, Inch'Allah. Là, regardez, il manque les yoyos sans pérer. On l'a. Je n'ai pas ce qu'a écrit. Que je n'ai. Sans oublier que le marocain et l'algérien, ça se rapproche, mais ce n'est pas du tout les mêmes mots. Ce n'est pas du tout les mêmes mots. Là. Donc. Non. Non, s'ils sont en train de parler, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de demander quelque chose en son honneur, ça rentre dans le shirk. Non. Là, on cite Jah. C'est l'honneur du prophète sur mon cœur pour faire des doigts. Donc si on fait des doigts par le djah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait du shirk. Tfadl. Ce qu'elle a cité, la chère, c'est presque systématique, wallahu alam, dans les mariages traditionnels. Elle dit marocain, mais même algérien. Hein. Même les mariages algériens ici, ils chantent cette chanson. Wallahu alam. Question suivante, chère. Question d'une sœur. 14e question. Ma question concerne un cours précédent. Une personne musulmane au départ, qui par la suite sortit de l'islam puis s'est repentie avant sa mort, aura-t-elle les bonnes actions qu'elle a faites avant de sortir de l'islam? Barakallahu fikoum. Fadashir. Naam, alhamdoulillah, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une personne, lorsqu'elle apostasie, ou l'ayadu billah, puisse Allah ta'ala nous en préserver. Quand une personne apostasie, ses actions, tout ce qu'elle a fait, ça reste en a vers l'islam ou pas, elle revient. Vous m'entendez pas bien, il y a des coupures, hein? Il y a des coupures. Il y a des coupures. Non. Non, c'est bon, alhamdoulillah. Je disais que, alhamdoulillah, toute personne qui apostasie, Allah l'afiya. Alhamdoulilah que Allah Ta'ala lui laisse ses œuvres suspendues. Il les annule pas. Pourquoi? Pour voir si elle meurt sur le tawhid ou elle meurt sur le shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Es'alunaka 'an shahril haram qitalin fihi qul qitalun billah wa kufrun bihi akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min qatl. Voilà le témoin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Voilà le témoin. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة النار في 227. Il pendant les moi c'est un grave péché, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser les serviteurs. Plus grave que le meurtre.
Il ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et voilà le témoin. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion, c'est-à-dire vont apostasier et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà, ils demeureront éternellement. Numéro 1. Parce qu'il y a un décalage. Alhamdoulillah. Vous avez lu avec moi. Et ceux parmi vous qui vont apostasier et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils meurent infidèles. Donc si quelqu'un va apostasier et mourra musulman, ses actions ne seront pas vaines dans la vie et la vie future. Et il ne fera pas partie des gens du feu. Voilà, inshallah ta'ala, comment qu'il faut comprendre le verset. C'est ta'ala. Tfadlan. Question suivante, donc 15e question, question d'une sœur. Cher, qu'Allah vous donne le Firdaous ainsi qu'à nous. Ma question porte sur le cours de mercredi. Je connais une sœur que je ne supporte plus, subhanallah, car je remarque qu'elle ment énormément, tout ça en jurant par Allah. Elle a volé à deux reprises de chez moi et j'ai récupéré mes biens par le biais de personnes de sa famille. Non pas par elle, et le fait qu'elle ment sans cesse fait que je ne peux ni lui faire confiance, ni la croire. J'ai peur de commettre un péché, si je me détourne d'elle, ai-je le droit de ne plus lui parler et ne plus la faire rentrer chez moi, et lui parler uniquement pour lui passer le salam? Barakallahu fikoum cher. Tfadal cher. Non, tout cela n'a été à de le faire. Il y a meilleur que cela. C'est de quoi? C'est de faire la nasiha à la personne. D'être en tête à tête avec elle. Et de lui dire, ortez, voilà. L'islam nous a demandé de faire la nasiha. Et moi, parce que tu sais, tu es une soeur en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on doit s'aimer, s'entraîner, s'unir et s'entraîner, que je dois te faire la nasiha. Et toi aussi, je te permets de me faire des nasiha si tu vois en moi des défauts. Voilà, Erti, pour te dire la vérité, yani, à plusieurs reprises, je t'ai attrapé en train de mentir. Et si tu connais aussi des gens qui ont dit d'elle que c'est une menteuse, qui ont remarqué ça, tu dis aussi, et il y a des sœurs, Naam, qui m'ont confirmé cela sans citer leur nom. Tu dis qui ont dit que vraiment, yani, tu mentais beaucoup. Moi, je te donne une nasiha fidla, subhanahu wa ta'ala, car ce qui d'abord, c'est un des signes des hypocrites. Deuxièmement, c'est un grand péché. Et troisièmement, tu vas perdre la plupart des gens et de ta compagnie, tes amis. Et tout le monde va fuir de toi. Je te donne cette nasiha bi'idhnillahi ta'ala. Si après cela, tu vois qu'elle te détourner d'elle définitivement et faire exception le salut quand je la rencontre. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykoum, Cheikhana. Quel est le hukm sur le fait de suivre un savant ou un madhhab en particulier dans les questions de jurisprudence pour un musulman de la masse ayant peu de science? Et suis-je obligé de suivre à 100% dans ce que dit ce savant ou ce madhhab? Éclaircissez-nous, hayyakumullah. Tfadal cher. Par rapport à la question passée et la nasiha que j'avais demandé de faire, si la nasiha est difficile de la faire oralement, je peux la faire par écrit. Je ne suis pas obligé de lui dire ça oralement. Je peux lui envoyer un mail ou je lui donne la nasiha.
et je peux même lui envoyer un mail en anonymat. C'est pas obligé de lui dire qui je suis. Je peux lui envoyer un mail en me laissant dans quoi? C'est que la nasiha lui arrive bi-idhnillahi ta'ala. Pour quelqu'un qui suit un savant et à 100%, il n'y a pas ça en islam. Il y a le prophète, alayhi sallam, lui seul, qu'on peut suivre à 100%. Tous les autres, comme a dit l'imam, on prend de leur dire et on délaisse leur dire. On prend ce qui est vrai, on délaisse le faux. Quand quelqu'un fait partie des gens de la masse, celui à qui il pose la question et cette personne lui répond, cette masse doit suivre ce qu'on vient de lui dire. Pour peu que elle a demandé la question à quelqu'un qui a de la science. Que ce soit un madhhab, que ce soit un savant. Parce que les gens de la masse ne sont pas obligés de chercher le dalil. Et même quand tu lui donnes le dalil, il ne va pas le comprendre. Donc, lui, ça lui suffit que on lui dise cette personne, ou là qu'il sache lui dans son cœur, que cette personne, c'est un savant, et il lui demande. D'après ce qu'il lui répond, il va y aller pratiquer. Allah Ta'ala ne lui demande pas plus que cela. Mais il n'est pas obligé de suivre un seul. À chaque fois qu'il sait que cette personne a de la science, il lui demande bi-idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal. Question suivante, 17e question. Question d'une sœur. Allah vous récompense infiniment, ainsi que les admins. Pour une personne francophone qui ne maîtrise pas assez la langue arabe, est-il préférable de faire des efforts en langue arabe pour faire des supplications et utiliser des formules ou déjà toutes faites et essayer de se rapprocher d'Allah par ce biais ou bien formuler les supplications en français pour être plus à l'aise dans la formulation et être le plus précis. Barakallahu fikoum. Tfadal cher. C'est permis de faire des supplications en français. Il a dit chacun fait après la. Mais ça n'empêche pas que parallèlement, je fais des efforts pour apprendre l'arabe, car après, quand je passe et j'arrive au stade de pouvoir faire des doigts en arabe, c'est mieux. Car quand je dis la doigt en arabe, c'est comme ça que l'a prononcé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, quand je l'ai dit dans une autre langue, c'est pas ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il a dit son sens, mais il n'a pas dit le mot comme ça en arabe. Vous avez compris? Lui, il a dit le mot en arabe, et nous, on a dit un autre mot en français qui lui ressemble. Donc, si maintenant quelqu'un dit exactement ce qu'a dit le prophète, alayhi wa sallam, bien sûr que c'est mieux. Qu'il craigne Allah Ta'ala autant qu'il puisse. Alhamdoulilah. Il peut faire ça, il peut faire les doigts dans sa langue pour ne pas rester bloqué. Et parallèlement, il essaye de faire des efforts pour apprendre l'arabe, inshallah ta'ala, chaque fois. Par exemple, chaque jour, il apprend une doigt en arabe. Pas une seule doigt en une journée. C'est rien. Mais allez, chaque jour, j'apprends une nouvelle doigt et je la répète. Je la répète le matin, ensuite l'après-midi, à midi, le soir, je la répète, je la répète. Ensuite, jusqu'à ce que ma langue se délie. Se délie ma langue et se dénoue. Ensuite, je peux la dire facilement, à force de la répéter, je peux la dire facilement. Je l'applique, je l'emploie par exemple, en levant les mains, en faisant des doigts. Une sœur demande une précision, un titre. Cher, quand vous avez parlé du djah, je me suis rappelé une chose. En Algérie, il y a encore des personnes qui parlent avec le djah d'Allah. Donc, est-ce que cela est permis ou pas? Surtout au moment de manger, quand on t'invite, on te dit djah rabbi. C'est en phonétique dans le. Donc,
Donc, qui veut dire on te force à manger, cher. Est-ce que cela est permis ou pas? Jazakallah khairan, si c'est possible de répéter la question. Naam, cher. En fait, la sœur dit, est-ce que par rapport à certaines personnes qui disent Jabtlik Jaharbi, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit comme tout à l'heure quand vous avez cité Jaharbi? Ou des choses de la sorte. La réponse, inchallah ta'ala, dans le prochain cours. Question. Prochain cours. Tfadl. 19e question. Non, donc 19e question, celle d'un frère. Sur le repentir, on fait deux raka'a, comme dans le hadith sahih. Quand je finis ma prière ensuite, je lève les mains. Est-ce une bid'a ou une sunna? Expliquez-moi. Barakallahu fik de m'avoir dit tfadl, mais je tfadl là, je fais quoi? Je n'ai rien compris à la question. Fahmt? Fais tfadl. Répétez. Inch'Allah. Non, vous m'avez fait rire, cher. Je vous la relis, Inch'Allah. Question d'un frère sur le repentir. Il dit, on fait deux raka'a, comme dans le hadith sahih. Quand je finis ma prière, donc en fait, il dit, lorsqu'il fait les deux raka'a, et qu'il finit, donc il lève les mains, et il demande si c'est une bid'a ou une sunna. C'est ça la question. Est-ce une... Ah, mais c'est ça, Ibn Muhammad. Il dit qu'il fait deux raka'a, et après ces deux raka'a, il lève les mains. Et il demande si c'est une bid'a ou une sunna. Wallahu a'lam, c'est ce que j'ai compris. Afouane, juste le frère a précisé sur le repentir. Donc je pense que c'est au moment de se repentir. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment de se repentir, le fait qu'il aille, qu'il se lève, qu'il fasse deux rak'at et qu'il lève les mains, pardon, pour faire dua et demander donc pardon, est-ce que cela est une bid'a ou une sunna? Allahu a'lam, c'est ça que j'ai compris moi de la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une position plus proche comme la position du sujoud. Dans un hadith de Muslim, il a dit, donc je dis à ce frère, toi profite quand tu te prosternes. Allah ta'ala, pardon. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, l'amant et ça coupe entendez maintenant c'est nu vous en taillez je répète je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas une position où le serviteur est près de son seigneur comme lorsque le serviteur est en état de prosternation. C'est pour ça que je dis à cette personne, puisque maintenant tu as prié deux rak'at, profite. Quand tu te prosternes, alhamdoulillah, mashallah, tu as quatre prosternations. Profite dans la prosternation de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de faire des doigts. Profite dans la prosternation, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si, quand tu termines, de temps en temps tu lèves les mains, c'est permis bi-idhnillahi ta'ala. Que tu ne fasses pas de cela une sunna de la salat. Naam. Mais que tu dis ça n'a rien à voir avec la salat. Mais je veux lever les mains pour faire d'autres doigts et demander à Allah ta'ala de me pardonner. Si tu le fais de temps en temps, ma'alish.
mais lorsqu'il a profité dans la prosternation bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Afwan, cher, j'attends juste que Fouzim finisse la dernière question qui sera sur le cours. Et en attendant, cher, il y a une sœur qui dit, lors d'un cours précédent, vous avez évoqué un récit durant lequel un homme donc avait pris une dette et il ne savait pas comment, enfin, était dans un endroit où il ne pouvait rembourser sa dette. Donc il l'envoyait à la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce récit, cher. Alhamdoulilah. Donc, elle voulait savoir si vous pouvez nous donner les références de ce récit, si c'est possible, cher. En attendant que Fauzi m'envoie la suite de la dernière question, Inch'Allah. Donc le hadith, Inch'Allah ta'ala, pour celui qui a posé la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez pour le hadith de la barque, de l'argent, la personne qui a demandé 1000 dinars? C'est le numéro 2291 dans Sahih al-Bukhari. Numéro 2291 dans Sahih al-Bukhari. Et Bukhari l'a cité aussi dans le numéro 2200, bon, 2291, je crois que je l'ai dit une seconde, 2291, d'accord. Il l'a cité aussi dans un autre numéro, sous un autre numéro. Oui, mais il a cité juste son début. D'ailleurs, il l'a cité aussi sous le numéro. Il a cité un peu du hadith. Un peu du hadith. Son début. Voilà, il a cité son début. Dans le numéro 1498, il a cité son début. Non. Il a cité un peu de ce hadith aussi. Naam. Dans le numéro 2734. Il a cité aussi dans le numéro 2734. Mais en longueur, tout le hadith, il a cité dans le 2280, 2291, inshallah ta'ala. Tfadlal. Allah fait comme cher. Et donc normalement c'est la 20e et dernière question. J'attendais la confirmation par Ah Mohamed, mais normalement c'est bien la 20e et dernière question. Question d'une sœur qui dit, Barakallahu fikari, cher Barakallahu fikoum pour vos cours. Je voudrais savoir la sollicitation par les bonnes œuvres. Est-ce que le jeûne, les prières surérogatoires, etc., entrent dans cela? Donc, est-ce que le jeûne et les prières surérogatoires, donc est-ce que les actes surérogatoires rentrent dans cela? Et aussi, est-ce que cela est permis avant de faire doua, de faire la prière sur le prophète, a.s.w.? Est-ce que c'est légiféré? Et si oui, quelles sont les preuves? Barakallahu fikoum, cher. Donc, plutôt la première question. La fin, c'était quoi? La fin? Dieu, le prophète, tfadl, comment la fin? Enfin, c'était une deuxième question, je pensais que c'était la même, donc comme c'est une question par personne, cher, on vous demandera, est-ce que les actes surérogatoires rentrent dans les sollicitations par les bonnes œuvres, cher? Barakallahu fikoum. C'est normal que ça rentre. Toutes. Action pieuse, tu peux la citer. Et surtout, le surérogatoire. Car les autres, c'est clair que tu dois les faire. Mais toi, maintenant, alhamdoulilah, tu viens de faire quelque chose. Fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite tu cites ça comme
Bonne action. Regardez, je vous donne la preuve du hadith. Les trois qui étaient dans la grotte. Dans la grotte. Qu'a dit le troisième? Il a dit, Allah, tu sais que j'avais quelqu'un qui travaillait chez moi, comme quoi je devais lui donner, par exemple, un sac de riz quand il aurait terminé le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, tu sais que cette personne n'a pas pris yani, son salaire et est partie. Et moi, je l'ai. Comment on... Je l'ai. Cherchez-moi le mot, les admins. Comment on dit? Istathmartu. Où ça a ramené de l'argent. J'ai fait. Ah, vous m'entendez pas? 1, 2, 1, 2. Voilà, je l'ai investi. Barakallahu fik. Il a dit, j'ai investi cet argent. Naam. Et il a ramené telle et telle chose et telle chose. Comme bétail, comme chevaux, comme ceci, comme cela. El Mohim. Est-ce que le fait d'investir cet argent, c'est une chose obligatoire? C'est pas une chose obligatoire. Et pourtant, il a demandé Allah Ta'ala par une chose qui n'est pas obligatoire. Il a dit, j'ai investi son argent, etc. Et ça a donné beaucoup de bétail. Et à la fin, je lui ai donné tout son bétail. Donc je dis, ça rentre beaucoup les actions surérogatoires dans le fait de solliciter Allah Azzawajal par une action pieuse. Non, ça rentre beaucoup. Car ce n'est pas tout le monde qui fait le surérogatoire. Non. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans un hadith authentique, Allah Ta'ala dit dans un hadith authentique, j'ai pas dit un verset, un hadith authentique, Qudusi, qu'est-ce qu'il a dit? Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires. Regardez l'acte surérogatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il te rapproche d'Allah jusqu'à ce qu'il t'aime. Allahu Akbar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire les choses qui sont surérogatoires. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va se rencontrer inshallah ta'ala mercredi et bientôt inshallah ta'ala on fera une solution pour vos questions qui sont hors cours bi'idhnillah ta'ala d'ici le mois prochain on aura inshallah ta'ala fait la solution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.